Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 14 de la Jeep de Tintin. Alors, petit tour vraiment sur le fascicule avec les coulisses de l'aventure. Tout est bien expliqué. Là, apparemment, c'est sur les numéros qui portent. Donc, si vous avez le fascicule, je vous conseille... Eh ben, de venir le lire, car on apprend vraiment plein de petites choses. Allez, alors on va installer cette fois-ci sur le numéro 14 le maître cylindre et le support d'axe de pédale. D'accord, donc détail de nos pièces, pas à pas qui est, mais alors franchement, super, j'adore. Voilà, avec des gros plans, des voilà, même là, hein, ils auraient pu faire ça en tout petit, mais non, 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 c'est bien agrossi pour bien voir. Non, franchement, j'adore. Voilà. Et puis notre résultat final, ainsi que le numéro 15, on aura bien sûr une petite vue et on va commencer la boîte de direction. Ah, c'est intéressant ça. Intéressant. Allez, on va passer au montage. Alors, première étape pour ce numéro 14. On va venir... Alors, hop, c'est de ce côté ou de ce côté. Par contre, là, ouais, c'est pas vraiment top. Bon, de toute manière... Je pense que c'est comme ça. Parce que les deux côtés se ressemblent. On n'a rien pour les différencier. Ouais, si quand même. Voilà. Ah si, alors, pour repère. D'un côté, au centre là, on a un rond. Alors je sais, je peux pas trop vous zoomer, mais on a un rond, on va dire, qui est plein. D'un autre côté, on a le même rond, mais lui qui est creusé. Donc, pour placer notre pièce, on prend le côté plein vers nous. Et à droite, ici, on va mettre la pièce 14B. Voilà, donc il y a juste à venir l'emboîter. Voilà, comme ceci. Alors... Toujours du même côté, on va venir prendre notre pièce 14C. D'un côté en haut, au niveau du trou, on a deux picots qui vont rentrer juste ici. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on vient récupérer le châssis. Juste ici, on a la fin de ce tuyau, donc ce... Oui, ce tuyau de frein. Là, sur le côté droit maintenant de la pièce, on a un trou et il s'agit de venir déjà rentrer donc cette pièce dans le trou. Alors par contre, c'est vraiment petit et à mon avis assez fragile, il va falloir faire attention. Donc... Oh non, non, ça se fait franchement bien, vous voyez. Ça se fait nickel. Alors, une fois que c'est fait, on tourne notre page. On va prendre une vis MB8. Donc, elles sont très très longues. Je ne bouge pas trop mon châssis pour éviter que ma pièce tombe. Je vais préparer un petit peu d'huile. Et on va venir au centre de la pièce pour fixer la fixer tout au moins au châssis. Voilà, donc ça c'était notre étape 4. En étape 5, et eh ben tout simplement on va venir prendre notre pièce D que voici. Alors la pièce D, d'un côté on a deux trous en haut et au bout de la patte on a un trou, donc le trou du bas va
à cet endroit là ici et on vient rabattre notre pièce comme ceci et donc ici et ici on va fixer le tout avec deux vis AB4. Donc voici qui est fait et pour la dernière étape on vient récupérer notre pièce E et je suppose ouais qu'elle va ici. Voilà qui est fait. Et donc, bah écoutez, hein. Ça fait des petites étapes, mais bon. Voilà, numéro 14 de terminé. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.